Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom de l'épisode de Robocraft, chers amis, en espérant que ça se passe mieux que le précédent. Hein. Encore une fois, hop, non, tu ne m'auras pas. Encore une fois, hop. On va attendre qu'il passe. Hop là, bonjour. Non, non, je suis solide, je suis un Tesseract. Je suis forcément solide. What the fuck? Quelqu'un est en train d'essayer de l'avoir celui-là ou pas? Oula. On part un peu dans tous les sens. Et on a déjà perdu deux bonhommes. Pas moi, les Tesseracts que je connais, ils sont super solides. Mais de toute façon, c'est pas la peine. Voilà, merci. Parce que de toute façon, ce jeu commence à me saouler grave, comme on dit. Et merde. Merci. Hop. Non, non. Et on voit même pas son canon. Oh là là! Mais ce jeu, c'est vraiment... Je vais péter une durite. Non, bah je suis désolé. Moi, je commence à péter une durite, chers amis. Ça va être le rush kit. Ça fait longtemps qu'on en avait pas eu, hein, remarque. Hein. Mais là, ce jeu devient vraiment une merde en barre. Ils savent même pas coder une surface. C'est injouable. C'est tout bonnement injouable. Coder une pauvre surface, c'est pas compliqué. Si, c'est trop compliqué pour nous. On devrait arrêter de faire des jeux vidéo. Voilà, je dis ce que tout le monde pense. Parce que de toute façon, on sait même... Voilà. C'est génial. On est sur notre spawn, hein, je précise, chers amis. Je viens de bourrer un ennemi sur notre spawn et ça n'a pas suffi à le buter. Que vous allez la voir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ou je vais crever ou ça c'est pas. Non, bah non, c'est pas grave, c'est pas la peine. Cherchez pas les mecs. De toute façon, la partie elle est foirée. A-t-il se décidé à mourir? Eh ben non, parce que je n'ai... Ah si, j'ai encore des armes. Oh là là, incroyable. Eh merde, pas encore toi. Eh ben voilà. Un mec. Alors attendez, parce que... Oh, je vais péter une durite. Ça me donne tellement des idées de robots, cette histoire. Voilà, team... Oh, bah merde, on a perdu. Oh, bah ça alors.
ça alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop. Mais non, mais c'est pas possible! Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, moi, chers amis? C'est pas possible. Je tombe une légendaire là-dedans sur une game aussi moisie. Et elle me rapporte combien? 12 000 à peine. En plus, c'est la légendaire que personne n'utilise. Hop, allez, je la recycle, c'est pas grave. Oui, je recycle une légendaire, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai plus rien à foutre. Alors. Crac. Ah d'accord, ok. On peut pas avoir moins de ces objets là qu'on a de comment qu'on est censé avoir de comment de. Au début du jeu. Voilà, je fais ça, comme ça je suis au-dessus de 50 000. Voilà, ce qui me fait qu'en fait j'ai l'impression d'avoir avancé pour avoir ce... Oui, parce que, voilà, pour avoir le petit combo qui est là, chers amis, je dis bien un petit combo qui est là, parce qu'il faut 4 roues, il faut payer 200 000, là. Enfin bon, c'est pas grave. On va se faire un petit robot rapidement, chers amis, on va bien voir. Alors. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, en fait. Que ça va donner. Qu'est-ce qu'on a comme armement ici? On en a pas ici. Ah, quel dommage, on en a pas. Ici, on devrait en avoir un. Voilà. Hop, peux-tu me donner ça, s'il te plaît? Merci. Merci. Il voulait pas sortir de la gorge, celui-là. Ok. On va passer en blanc, cela dit. C'est pas plus mal. Merci. Alors, par où c'est l'avant? C'est par là. Crac. Voilà. Hop. Je vais mettre aussi ça, ça serait peut-être pas plus mal. Crac. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Si, je sais. Hop. Crac. Je sais. Hop. Crac. Hop. Voire même je pourrais peut-être mettre des... Si c'est bon. Hop. Non, ça va être trop haut. Sauf si. Quoi? J'ai de ces remontées en ce moment. C'est violent. Ok. Crac. Voilà. Ensuite. Il va falloir aller un peu plus haut. Ok. Ça me dérange pas. Crac. Merci. Hop. Encore un peu. Normalement, je devrais être bon. Non, toujours pas. Bébé. Hop. Ok, là, ça passe. Limite. Ça passait aussi comme ça en fait.
passer, on va pas s'embêter, on va passer sur les cubes comme ça. Hop, crac, non ça passe pas. Non ça passe pas. Ok. Ok, ok. Peut-être tout ça on en a pas besoin, ça va peut-être monter trop haut en fait. Crac. Ok. Hop. Voilà. Donc. Donc. Si c'est bon ça. Crac. Hop. Ok. Voilà. Hop. Non, c'est pas bon, parce que sinon je pourrais pas. Ou alors je le mets là, tout simplement. Ok. Ça veut dire que je mets quoi à l'avant? On va bien voir. Hop. Crac. Gardons ça assez esthétique. Hop. Là, on reverra ça tout à l'heure pour l'esthétique justement de ce côté-là. Hop, hop, crac. Ok. Est-ce que je peux, je sais plus si je peux placer ces trucs là, non, je ne peux pas. Ok. Il a peut-être fallu que je les déplace encore un peu. Il aurait peut-être fallu que je les déplace encore un peu. Ou alors. Ou alors. Crac. Techniquement, je place ça là. Hop. Est-ce que je peux par exemple du coup placer ça en dessous? Oui. Oui. Je le peux. J'aimerais bien le placer un petit peu en mode planqué.
mode planqué, ça donne quoi? Hop! Ok, c'est pas grave en soi, hein. Est-ce que je peux placer ces trucs là? Pas du tout. Et donc j'imagine que je peux pas placer non plus ces trucs là. Si je peux. Ah, intéressant. Et celui-là, je peux le placer ou pas? Du coup, alors attendez. Du coup, je remplis là. Je peux pas placer celui-là. D'accord. Par contre, bah celui-là, il y a 2 secondes, je pouvais le placer. Ah, attendez. Attendez. Suivant le cube devant lequel je le place, regardez. Si je le place ici, je peux. Si je le plaçais sur le truc devant, je pouvais pas. Ok, c'est bizarre. Hop. Ok. Hop. Crac. Me semble-t-il. Hop. Voilà, voilà. Voilà. Il y aura un moment où je pourrai plus approcher ce truc là par contre. Ce sera ici. Non, dans le bon sens, s'il te plaît, merci. Ok. Hop. Je vérifie quand même, des fois que, sait-on jamais. Non, c'est pas le bon, c'est celui-là. Ok, là par contre, ça passe pas à l'arrière. Normal, il y a un cube de décalage, je pense. Je pense que c'est ça qui fait que, chers amis. Ok. Alors, à l'avant, est-ce qu'on peut se protéger de quelque chose d'une manière ou d'une autre? C'est assez moche, hein, si on le fait comme ça. Réfléchissons. Ça fera toujours un trait central, ce qui n'est pas bon. On peut mettre ça comme ça, mais ça fait pas beaucoup de points de vie. On va se demander parfois si certains cubes sont pas plus balèzes que d'autres. Enfin, si, ils le sont techniquement. Enfin, si les cubes sont pas plus balèzes que certains. D'ailleurs, je sais pas combien ils ont de points de vie, les cubes. 2100, d'accord. Ça équivaut à un cube, en fait. Ok, ok. Why not? Shield 64000. Quand même. 64000, quand même. Donc. Ici. Ça va être trop gros. Ça, je crois que ça fait toujours un truc central. Ça aussi. On n'a rien pour couvrir une partie centrale. Enfin, avec une partie... Ah, vous me comprenez, quoi. Ça pourrait être tellement stylé. Je crois pas que ça fonctionnerait longtemps. Encore une partie qui est cachée au centre. C'est dommage, ça. Ou alors c'est fait exprès, je sais pas, mais... Vous dites ça comme vous voulez. Mais... En fait, ce qu'il m'aurait fallu, c'est un truc comme ça, quoi.
problème c'est que si je l'achète, je retarde encore le... Oula non, c'est pas... on n'est pas encore prêt pour ça. Ok. Ça, ça serait très très moche s'il n'y en a plus qu'un. Ah, c'est dommage. Ça fait moche ça. Ça fait moche, ça fait moche. Ouais, ça aussi ça fait très très moche. Bon, bah tant pis. Comment je vais le protéger ce truc là du coup? Même en faisant ça comme ça, je peux pas le protéger un minimum. Avec cela. Ah non, c'est vraiment que du 2. Hein. C'est vraiment que du 2, c'est rigolo ça. Parce qu'en fait, le jeu te permet d'utiliser un système de construction rapide, enfin, pratique. On va pas dire rapide, parce qu'il faut pas exagérer non plus. Mais aucun pour te servir de protection au moment venu. D'accord. Et si je faisais tout simplement ça, comme ça. C'est presque dommage que... ça n'aille pas là. C'est laid. Est-ce qu'on peut pas, justement, du coup, tout simplement... fait comme ça, c'est ça? Avec ça par devant? Bon, on va faire ça comme ça. Hop! Non, parce que c'est moche. Désolé, c'est moche. Je trouve ça moche. Je trouve ça complètement laid. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en mode blindé, et puis on verra bien. Hein. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu de ce côté-là par rapport à tout ça. Sauf si, attendez, peut-être que, en mettant tout simplement ces trucs là, c'est laid quand même, hein. C'est atrocement laid. Et là il y a un décalage. Oui. Oui. Bon, on va mettre ça comme ça. Hop, on va mettre ça comme ça, c'est pas grave. On va continuer les différentes formes qu'on peut trouver ici. Alors, ici on avait des cubes manquants. Crac. Hop. Hop, on va mettre ça comme ça. Ok. J'imagine qu'on va s'embêter à faire ça comme ça. Ça fait notre genre, non? Remarque, on aurait fait ça en mode parallèle depuis le début. On aurait gagné du temps. On aurait gagné un temps fou. Sachant qu'on a même pas encore mis l'armement. Catastrophe. C'est une catastrophe. Si je peux peut-être en mettre une par contre, ouais. Cool. Hop. Si on avait mis un truc comme ça. Crac. Hop, ici. Ok.
On est plutôt bon pour la partie supérieure, si je puis dire. Alors, est-ce qu'on va en avoir? Non, on n'en a pas, forcément. Bah, temporairement, je vais les prendre. De toute façon, il est pas perdu, le vaisseau. Hein. On pourra les remettre dessus le temps d'eux. Pas celui-ci. Elle est sur ce vaisseau-là. Hop, merci. Crac. Donc. Ça, c'est fait pour celle-ci. Ok. Il n'y a pas un truc comme quoi ça va gêner aussi entre eux. Faut que je vérifie si ça gêne ou pas entre eux, mais normalement oui ça gêne. Non, ça gêne pas? Parfait. Voilà la hauteur de la tour. Ça met dans l'ambiance. Hop. Voilà. Crac. Hop. Voilà. Hop. Ce qui implique donc un léger changement ici. Hop. Crac. Non, pas dans ce sens-là, s'il te plaît, va dans le bon sens, merci. Ici, comment je vais me dépatouiller? Crac, 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 crac. Non, bah tout simplement, je suis bête. Je suis trop bête. Voilà. Hop. Crac. Voilà. Et donc ici, même chose. Voilà. Nous sommes à 1200 flops à l'heure actuelle, je surveille un petit peu quand même. Un minimum. Hop. Un minimum. Crac. Ok. Donc je présume qu'on va devoir aussi... Hop. Parce que là on en a 4. Il en manque encore 2 donc. Donc. Ce que je vais faire, c'est que j'ai placé les cubes devant. Hop, voilà. Crac. Hop. On verra bien sur quelle distance je vais les mettre, mais normalement ça devrait être la même distance qu'ici. Donc là, on a un décalé de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais jamais les mettre là, on est d'accord. Ok. Par contre, ici, je pourrais.
Hop. Même pas, c'est même pas comme ça que je devrais faire. Est-ce que je peux en mettre là? Et là. Hop. Hop, comme ça c'est ici que je fais le... Voilà, c'est ça. Et on garde le principe de tour qu'on avait tout à l'heure. C'est bon. Visuellement, c'est bon. Du coup, c'est ici qu'on fait l'angle. Ça, en soi, c'est pas un problème, au contraire. Du coup, par contre, est-ce que je rapproche ça d'ici? Oui, pourquoi pas. Hop. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Et donc, comme je le disais tout à l'heure... Voilà, ça passe, c'est parfait. C'est parfait. Ok. Et l'avantage, je crois même, c'est qu'on va pouvoir mettre... Voilà. On va pouvoir pousser le vis jusqu'au bout, si je puis dire. Je crois même qu'on peut potentiellement mettre ça. Voilà. Comme quoi, le jeu est pas si mal fichu. D'ailleurs, il m'a pas encore mis un incorrect cube placement. Je suis surpris. du coup, comment je me dépatouille ici? Ça c'est moche. Ça aussi c'est moche. Comment je me dépatouille? Ça c'est pas si moche par contre. Hop, hop. Hop. Ok. Bon. Bah bah bah. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. Il nous reste quelques flops à préparer. Personnellement. Personnellement, je serais partant pour. Normalement, il nous en reste un, mais je sais pas si on a la place pour. Enfin, si on a le nombre de flops nécessaire. Alors, il nous faut combien de flops? Il nous en faut 305, on en a 220. Compliqué. Compliqué de placer ça. Compliqué. En tout cas, pour le moment. Donc pour le moment, c'est pas prévu. Cependant, on est principalement en ce moment dans certains modes de jeu nécessitant nécessitant des radars. Combien, alors juste pour information, combien coûte ce radar? 5K. Oh la gueule. Mais non, je veux pas l'acheter, je voudrais le revendre celui-là après. C'est vrai, faut qu'on attende. Ok, donc je prends 5K pour ça. Hop. C'est pas encore ça, hein. Putain. Les prix, je trouve que c'est encore mal fichu dans ce truc. Hop, ça je peux le revendre. Ça j'en ai deux, je peux le revendre. Tellement de mâchoires, je peux les revendre aussi. Ok, déjà ça. Bon. Du coup, on avait dit qu'il nous reste quelques flops. On avait dit qu'on mettrait un autre radar. Ah, c'est presque dommage ça par contre. Si je peux le mettre juste derrière, ce serait parfait. Hop. Crac. Voilà. Et donc on va le mettre en gris. Avec peut-être quelques touches d'orange. Alors est-ce qu'ici je ferais pas mieux de... Alors déjà on va le remettre. Alors on va le remettre en blanc le temps qu'on le travaille. Est-ce qu'en haut des tours je ferais peut-être... Oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas percuté au moment où j'ai utilisé le truc. Par principe de beauté, entre guillemets, de cosmétique. Je devrais pas refermer, entre guillemets, les tours.
un peu mieux. Ah, c'est pas dans le bon sens. Hop. Merci de pas laguer au moment où je... Ok, il veut pas. Crac. C'est peut-être mieux comme ça, effectivement. Esthétiquement parlant, c'est peut-être plus cohérent de faire ça comme ça. Hop. Ok. Donc là, je pourrais jamais mettre ça, on est d'accord, hein. Ouais. Et ici, je peux en placer un. Je peux en placer un. Ok. Ok, ok. Continuons l'esthétique, hein, ça me dérange pas. Crac. Ça peut le rendre un peu plus agressif. Hop. Crac, du coup on a plus besoin de ça à l'arrière. Ok. Même je peux le reculer peut-être d'un cran ou deux. Voilà, on va le mettre ici. Hop, voilà. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Au niveau des tours, est-ce qu'on peut protéger un petit peu plus les tours? Non, parce qu'on rentre dans l'action de l'autre tour. Enfin, dans l'autre, comment? De l'autre sniper, ici. Donc ça, c'est pas bon. Si j'inverse. Ça fait comme une espèce de lame, donc c'est pas bon. En tout cas, de ce côté-là. C'est pas les bons, c'est pas ceux que je cherche. C'est les mêmes, non? Je sais pas, oui, c'est les mêmes. Ok. Trop long. Pas bon. Dommage, ça aurait été intéressant. D'ailleurs, oui, on n'a pas refait les tours, donc peut-être que je les refasse avant. Hop. Crac, ce sera mieux. Ce qui fait que normalement, je devrais pouvoir peut-être plus facilement ranger tout ça. On va bien voir. Crac. Voilà. Ça fait toujours un peu plus de protection. Une fois que ça vienne par au-dessus, on peut se permettre aussi d'en mettre un petit peu là. Ok. Bon, pour la même raison, j'en aurais mis ici. On va peut-être pas le peindre en noir ou en gris. Si je le peins en orange avec des nuances de gris. Ah, 50 nuances de gris. Non, je la referai pas, je suis désolé. Pour les boucliers, toujours du bleu. Hein. Je vous rappelle que c'était la couleur de base des boucliers pendant un temps. Hein. On peut se permettre de l'utiliser. D'ailleurs, normalement, je devrais mettre du bleu ici aussi. Pour rendre les boucliers toujours le maximum bleu. Hein. Ok. Au niveau des intérieurs, j'aimerais bien... Hop. Ou alors je fais ça seulement sur les tours. Peut-être mieux. Visuellement, c'est peut-être mieux. Hop,
penser à faire le gris derrière. On avait dit donc le noir seulement sur les tours. Alors. Hop. La remarque, ça revient presque au même. Hein. Hop. Je repeindrai les armes en gris tout à l'heure. C'est pas un souci. Hop. Crac. Dites-moi ce que vous en pensez visuellement dans les commentaires, s'il est stylé ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Votre avis compte, hein, contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensent. C'est pas parce que je réponds pas à vos commentaires, chers amis, dans les commentaires, que je ne les lis pas. Hein. Je vous rappelle que, je veux juste pour vos informations, chacun de vos commentaires arrive dans ma boîte mail. Et chacune de vos corrections de commentaires aussi, au passage. Donc si vous les corrigez 36 000 fois, moi je le vois, je le sais. Je le sais. Hop. Vous vous rendez pas compte que ça faisait tant que ça, les tourelles. Hop, c'est bon. Ça, je vais les mettre aussi. Toute la partie supérieure en noir. Avec quelques touches d'orange. Hop. Ce qui est dommage, c'est que bah, ce qui va être rigolo, c'est que quand ils vont tirer dans les trucs, ça va dévoiler du orange. Du orange supplémentaire. C'est pas grave. Là, par contre, je vois encore du orange. Donc, je remets du noir. Là, et tout. Hop. Là, c'est bon, elle s'y est mise. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On remet nos deux petits. Voilà. Crac. Et enfin. Ça aurait été un épisode un peu plus long que prévu, bah écoutez, tant pis pour moi. Hein. Parce que moi, du coup, ça fait moins d'épisodes à tourner dans la journée, normalement. Enfin, plus d'épisodes à tourner dans la journée. Autant d'épisodes à tourner, mais vous savez, moins à. Enfin, dans moins de temps. Pendant moins de temps. Donc ça risque d'être un petit peu plus problématique que prévu, mais bon, on verra. Hier, j'ai tourné 10 vidéos. Je me suis couché à 3h30. Dit comme ça, c'est violent. Ok. Maintenant le bleu. Bien, on va faire les choses telles qu'elles sont. Crac. Ok, ici. Voilà. Bon. On voit plus trop le orange du coup. C'est rigolo. C'est pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Hop. Un petit peu de noir ici quand même. Ok. Eh bien écoutez chers amis, du coup on le testera dans un prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoignez dans le groupe Steam Joueur de la Playroom. N'oubliez pas de trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.